Aujourd'hui, un petit challenge, j'ai nommé le challenge de la photo des blocs tout. Voilà, vous trouverez un nom, dites-moi en commentaire si vous avez un meilleur nom. J'ai pas été inspiré là-dessus. C'est très simple, ça se passe comme ça. On démarre avec un appareil photo, pas une caméra, un appareil photo tout simple ainsi qu'une lampe toute simple, pas une lampe puissante. Et dès qu'on prend une photo 3 étoiles, que ce soit une interaction, une empreinte, l'os, tout ce que tu veux, on a le droit de débloquer un nouvel objet. Donc on peut se servir d'un nouvel objet, mais ce nouvel objet est choisi par la roue, par le destin, par le hasard. On va essayer de faire ça sur une Tanglewood. Ça va être compliqué, c'est la première fois que j'essaye, on découvre ensemble ce que ça donne. C'est parti. Comment tu vas la gueute? Merci de ton follow, Boar. Comment tu vas? Alors, paf. Alors, évidemment, la photo de l'os, la photo, tout ça compte, hein. Interaction, tout ça compte. Évidemment, l'appareil photo, quand notre appareil est fini, on a le droit d'en prendre un autre. On n'a pas besoin de débloquer un autre appareil photo. Sinon, le challenge serait. Ah bah attends, j'ai pas le droit de prendre ça. Si, parce que je l'ai pas mis dans la rotation, comme je suis en solo. Sinon, le challenge serait impossible. Qu'est-ce qu'on a? On a des objectifs qui peuvent nous aider. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Mais quand on a une photo 3 étoiles ou un objectif, de fait, on peut prendre un objet. Donc tu vois, on a l'événement paranormal. Si l'événement est le fait, ça déclenche, ça débloque un objet. Il est cool ce défi. Sur le papier, il est cool. On va voir en pratique ce que ça donne. On va voir en pratique. Ça va très bien, la gueule. Ça va très très bien. Installe-toi. Installe-toi. Voilà, dès que j'aurai une photo 3 étoiles ou un objectif de fait, les modos, n'hésitez pas à tourner la roue pour pouvoir me donner un équipement. En plus, on a la bougie et le crucifix. On pourra les faire si jamais on a la chance au niveau de la roue. Alors, la caméra frontale n'est pas inclue dans la rotation évidemment des objets et le briquet non plus. Donc le briquet, c'est auto le briquet, l'appareil photo et la roue et la caméra frontale, c'est automatique. On peut les prendre si on veut. Sinon, c'était vraiment trop compliqué. Allez, c'est parti! J'ai rigolé, un classique. Ouais. Donnez-nous un signe. Il a touché la porte devant moi, non? Ah, oh, dommage, je voulais une interaction. Empreinte digitale. Empreinte digitale, vas-y, tourne la roue, ma couille. Ça y est, let's go. Empreinte, on a un indice et un objet en plus. Point d'exclamation spin, les modos, pour pouvoir tourner la roue. C'est ça, Tutis, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? Ah, tu vois, là, j'ai niqué une photo pour rien, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'on débloque? Caméra, ok, let's go. Ah, j'ai pas vu le bel os, mais c'est parce que j'étais trop hypé d'avoir trouvé, d'avoir eu une photo directe. D'accord, donc les empreintes, ça compte pas comme une interaction. Ok. Alors. Ok, regardez, on a l'orbe là. Vous l'avez vu? Oh, on est bon, on est bon, on est bon là. On est bon. Merci du follow, June. Comment ça va? Allô, t'as plus de son? Ah bah ça vient de toi alors, madame. Ça vient de toi. Los, 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 los. Los, c'est une photo gratos aussi, hein. Alors, je n'ai pas vu l'os. Ça veut dire que vous l'avez vu. Oh! C'est peut-être le garage, hein. La porte est déjà ouverte. Remets ton sonotone. Oh, il vient d'ouvrir une porte encore. Là. Boum! Allez, un autre objet. Alors, on n'a pas le droit de prendre plus de 2 fois la même catégorie, hein. Merci, Ladiel. Par exemple, empreinte, là, j'ai fait le maximum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encens. Est-ce qu'on a un encens en objectif? Oh merde, on n'a pas d'encens en objectif. Dommage. Alors, je vais prendre l'encens, je vais le mettre par terre. Ça voudra dire qu'on l'a débloqué. Bon, tu vas avec Excelsior, t'as la forme. Alors, on a pour l'instant juste une empreinte. Malheureusement, on n'a rien à part la caméra pour nous aider. Orbe. Il a.
Il a éteint, on n'a pas le droit à l'EMF. Il faut qu'on aille prendre la photo de l'os. Faut qu'on trouve l'os. Parce qu'il nous faut une photo en plus, ou alors une interaction. Donnez-nous un signe. J'ai oublié de vous dire que la photo du fantôme compte pour deux. Parce qu'elle est très dure à avoir. Donc la photo du fantôme compte pour deux. Donnez-nous un signe. Ou la Ouija, ça compte aussi. Est-ce que vous avez vu l'os? Moi, je l'ai pas vu encore. C'est vrai qu'on n'y voit rien avec cette. Ok, on n'a pas la Ouija. On y voit comme à travers une pelle exacte. Sous le lit de quel? Oh oui! Fantôme 3 étoiles, 2 objets, ma couille! Nice! On a 2 objets. 2 objets en plus! Qu'est-ce que vous pensez de ce défi? Il est cool. Pouvez-vous le faire chez vous en plus? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Caméra! Fuck! On avait déjà une caméra, c'est pas grave, vas-y, relance. Donc on a le droit à une caméra. Et quoi d'autre? EMF, nice. Alors ça, c'est un très bon objet, l'EMF. Très très bon objet. Très très bon objet. Nice. On va changer d'appareil photo au cas où. Ah ouais, si t'as pas de chance, le challenge peut être très difficile. C'est pour ça que c'est un peu du hasard, un peu du tryhard. Tu vois, c'est ça qui est bien, je trouve. Oh, on a la glaciale. On a la glaciale. Donnez-nous un signe. Attendez, l'os. On m'a dit sous le lit, non? C'est quoi les preuves? Empreinte. Ah oui, empreinte hors température. C'est un en tout. Et ben voilà. C'est plié. C'est plié. Let's go. On peut pas faire le. Ah, mais si, attendez, on a le droit à un objet en plus. Hey, Gaël! Merci beaucoup pour les 126 bits. Vas-y, fais tourner encore la roue. Vu qu'on a réussi un objectif, on a droit à un objet en plus. Fais tourner la roue et si jamais on a l'encens ou une bougie, ou le crucifix, ou une bougie. Micro. Eh ben, le micro nous sert à rien. Comment tu vas, Kofal? Eh ben, des bisous. C'était donc un en tout. Eh, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Pour une première. Pour une première. À mon avis, on a eu un peu de chance. À mon avis, on a eu un peu de chance. Le jeu va sortir sur PlayStation, c'est pas prévu, Kofal. Le jeu n'est pas encore sorti en version finie. Il est toujours en accès anticipé sur Steam. Le défi est cool. Le défi est cool, ouais. Je sais plus si les objectifs, ça vaut 2 objets ou un. Je crois que c'est 2, comme la photo du fantôme. Je sais pas, on fera 2, et puis si c'est trop simple, on repartira sur un 5 minutes 38. Voilà! J'ai trouvé ça cool! Dis-moi comment t'as trouvé ça, YouTube. On a eu de la chance sur cette game. Pas sûr qu'on ait ça sur d'autres. On va continuer. On va continuer. On va pas dire au revoir à YouTube. On va en faire une deuxième sur une Edgefield. Tiens, sur une Edgefield. Comme ça, ils verront dans la même vidéo si c'est trop simple ou pas. C'est passé vite, ouais. C'est passé vite. C'est rigolo comme défi. Je pensais que ça allait être plus dur, chat. Je me suis dit, on va pouvoir se faire 2 heures sur Fastmo avec ce défi. Parce que je pensais que ça allait être dur. On va voir sur cette game. On a quand même eu de la chance, hein. La petite empreinte dès le début. La petite photo du fantôme qui compte double. Speedrun sur des challenges, ouais. EMF. Oh, la photo. Checkez-moi ça. Photo du fantôme. Double. Plus objectif de fait. Double. On se met bien. Crucifix EMF. Ok. Et c'est à la cave du coup. Let's go. 2 points par catégorie, peut-être un peu trop simple. En fait, les interactions, les empreintes, tu vois, dans le. J'ai pas la clé. Dans le livre, c'est limité à 2. Je pense, en fait, on est limité à 2 points, je crois. 2 points par objectif, 2 points pour la photo du fantôme, 1 point pour bonne photo. Après, on a eu de la chance, hein. Imagine, on tombe sur trépied, bougie et capteur sonore. Tu vois ce que je veux dire? On a eu de la chance. En plus, on a eu la glaciale. Imagine un fantôme où on n'a pas d'empreinte, pas de glaciale.
Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette game va être plus compliquée, tu vois. Putain, on n'y voit vraiment rien. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Et le problème, c'est que si le fantôme fait rien, on est dans la merde. Où êtes-vous? Est-ce qu'on a la Ouija? On va checker les spots de Ouija. Ça peut faire une petite photo gratos. L'os aussi. Oh, bonjour! La Ouija. Nice! Allez, on a le droit à un objet. Let's go. Fais-moi rêver. Allez, allez. Que le destin nous soit favorable. Spirit Box, nice. C'est bon ça. Si on a un objet sur cette étagère, c'est bon ça. Pouh. Mais Titus, il a pas le temps, il est comme moi. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? J'ai entendu une porte. J'ai entendu une porte. Ah, c'est peut-être au fond à l'étage. Attends. Est-ce qu'on va avoir les empreintes? Là. Est-ce qu'on a une empreinte? Empreinte digitale! Let's go! Nice. Donc il serait apparemment, il serait couloir peut-être. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'on débloque? Capteur de mouvement. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on va le mettre quand même. Alors, j'ai mis tous les objets hein, sur la roue. Sauf, je vous disais, du coup, la frontale, le briquet et l'appareil photo. Tout le reste, c'est sur le... C'est dommage, vous voyez, que le capteur de mouvement soit pas un objectif. Ça aurait pu nous donner un objet. Alors, on va se le mettre là pour voir. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ok, on n'a pas. J'ai entendu un truc tomber, non? C'est peut-être moi. Il semblait avoir entendu un truc tomber. Bon, bah écoutez, on va chercher l'os. Histoire de se débloquer un objet en plus. Donnez-nous un signe. Il a pas l'air ici. Hein. Il a pas l'air ici. Non. Pour ouvrir cette porte. Tac. La lumière du couloir, peut-être, ouais. Je sais pas si ça compte comme interaction. Donnez-nous un signe. Allez, faut qu'on trouve l'os. Là, il vient d'ouvrir une porte. Il vient d'ouvrir une porte. Il vient de faire tomber un truc. Là. Là. Tac, il vient de faire tomber un truc, j'ai entendu. Température glaciale. Ah! Je crois que l'interaction, c'est trop tard, là. C'est trop tard. Alors, attends. On a notre deuxième photo d'empreinte. Deux, c'est le maximum, hein, je vous rappelle. Vas-y, donne-nous un autre objet. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, il serait dans cette pièce. Le livre. Nice, putain. Hey, on a de la chance, hein. On a vraiment de la chance au niveau de la roue, hein. Iri, tu régales ce soir. Ah ouais, t'as vu l'os? Ah, j'ai pas fait gaffe, Jude. On va aller voir ça. Si jamais c'est trop simple, il faudra qu'on limite, mais sur le papier, je trouve pas ça trop simple. Alors, on va poser le bouquin. T'as vu l'os aussi? Il était où, les amis? Dans la pièce du fantôme? J'ai pas fait gaffe. J'étais tellement content d'avoir trouvé la pièce.
Ah, attendez, où c'est que vous l'avez vu? Une autre? De toute façon, j'ai visité. Ah oui, j'ai visité celle-là là-bas. Celle-là. Alors. Oh, la petite photo du fantôme, 3 étoiles, bim! Checkez-moi ça, la photo! La photo du fantôme ne compte qu'une seule fois. Hein. Au pied du lit? Oh putain, oui, je l'avais même pas vu. Allez, balance-moi 3 objets, mon ami. Chase. Chase. C'est bon. J'ai pas vu le résultat de la roue non plus. Spirit? Ah oh, putain, on a déjà une spirit. Ok, spirit. Du coup, tu peux en lancer deux encore des roues. Comment tu vas, Naïs? Salut Momo, vous avez la forme? Ah bah c'est démon hein, là, santé mentale. Non, 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 regardez, on est déjà à 40%. Oh putain. Bougie. Ok, on a le droit à la bougie. La bougie qui fait pas partie malheureusement des trucs. Comment tu vas, Lujo? T'as la forme? Installez-vous. On est sur un challenge, les amis. La spirit. Oh là là, voilà. Vous voyez comme quoi on peut se faire troller de fou. Ok. Donc, l'os, c'est fait. Bah, on a tout fait, en fait, hein. Manque de chance. Ok. On a le droit à une bougie. On n'a pas le droit aux pilules, on a droit à rien. Qu'est-ce qu'on a comme fantôme? Attendez. On a empreinte glaciale, djinn démon en tout. Donc, j'imagine que c'est quoi? C'est... Djinn démon en tout, c'est orbe. On peut pas les checker. Démon, c'est l'écriture. Et djinn, c'est le MF. Le MF, on peut le voir au truc. Donc c'est soit un démon, soit un en tout. En partant du principe qu'on n'est pas de MF, ok? Comme la photo est un objectif, tu peux retourner la roue. Mais oui! GG, banana. Retourne la roue. Oh, cette chatte! Vas-y, donne-moi un truc bien, là. Du sel! Ouais! J'adore! Du sel, baby! Oh putain! Ah si, on a placé un bouquin, oui. T'as raison, on a placé un bouquin. Ah ouais, donne-moi du sel! Donne-moi du. Donne-moi du sel, baby, yeah. Donne-moi ton bon gros sel. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Comment tu vas, Naïs? Tu vas bien? Ah, le pass sanitaire. Ouais, je comprends bien. Putain, oui! 2 sur 2, 2 sur 2. Attendez, on a le droit à un objet, hein. On a le droit à un objet, vas-y, lance. Lance, lance, lance. Peut-être qu'on peut faire la game à 100% si on tombe sur un cruci ou un EMF. Let's go! Il m'a validé la photo, hein. J'espère. Ouais, il m'avait. Interaction! Il m'a compté interaction. Lampe UV. Lampe UV, elle ne sert à rien parce qu'on a déjà les deux empreintes. C'est deux maximum. Il m'a pas compté écriture. Il compte plus écriture? Ça va très bien, Naïs. Ça va très très bien. La Ouija, je l'ai déjà en photo, la Ouija. Bah, je crois qu'on est obligé de s'arrêter là, chat, hein. Interaction, on a le droit à deux. Mais d'accord. Eh ben écoutez, c'est quand même une victoire, hein, j'ai envie de dire. Et c'était donc un cauchemar. Un démon, pardon. Donc c'est. Ouais, vous aussi, vous avez vu, il a attaqué quand même assez vite. Mais j'ai déjà pris la photo. Ah, t'auras une interaction?
Ah, si la Ouija, elle bouge. Amy va chasser direct. Quand tu vas Nitro. Non mais on peut se barrer aussi. On n'est pas obligé de le faire à 100% en fait. On peut enchaîner. On enchaîne avec une autre map. Voilà. Comme ça YouTube est content. Vous êtes content. On fait plusieurs games d'affilée. Ah bah ça je te laisserai deviner Luc Jo. Ouais la Ouija c'est chaud là. La Ouija c'est chaud. Allez. Let's go. Tout ça pour débloquer. On va débloquer un trépied hein, à tous les coups. Putain. Oui. On a eu de la chance. Deux games d'affilée. Bon, de la chance, on est tombé quand même sur deux spirits. On a eu de la chance que la photo soit un objectif. Allez, on enchaîne. On va essayer sur une Grafton, tiens. On essaye sur une Grafton. Let's go. J'aime bien ce petit challenge. J'aime beaucoup. Comment tu vas, Nitro? T'as la forme? Installez-vous, les amis. Je vous répète évidemment le challenge pour ceux qui viennent d'arriver. On a le droit de démarrer qu'avec un appareil photo et une lampe classique. Et seulement quand on prend une photo 3 étoiles, on a le droit de débloquer un autre objet qui est choisi par la roue aléatoirement. Il est cool ce défi. Qu'est-ce qu'on a? La photo du fantôme, ça c'est cool. Le bâton d'encens, le crucifix, ça l'est un peu moins. J'aurais préféré un événement paranormal. Ça nous aurait débloqué un petit objet automatiquement. Allez go. En tout cas, on a eu de la chance parce que deux parties d'affilée, on a eu la glaciale et les empreintes. Hein. Ça va pas se passer aussi bien à chaque fois, je pense. Oh putain, dans une ferme avec cette lampe, on n'y voit rien. On n'y voit que dalle. Ok. Donnez-nous un signe. On peut pas voir la Ouija, là? Non. Donnez-nous un signe. J'adore la baraque. Ah, moi j'adore la ferme aussi. Je trouve que c'est la meilleure map du jeu. Malheureusement, avec une lampe non puissante, on n'y voit pas grand chose. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Putain, on a rien, on a rien. Ouh, lui il va être plus compliqué, chat, je sens. Donnez-nous un signe. Je sens qu'il va être un peu plus chiant celui-là. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Putain, y'a rien. Oh. Et si on a rien, on a rien. Hein. Il va partir en chasse, tant pis pour nous. Hein. Où êtes-vous? J'ai entendu un truc. Attends. Ah, petite tournée de café, c'est gentil. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah, les poupées vaudou en photo, c'est trop une bonne idée. J'y avais pas pensé. Putain, mais vous êtes trop fort. Hein. Moi, je suis trop en mode hardcore. Tu vois, je me laisse aucune chance. Ralala, ralala. Qu'est-ce qu'il veut dire ce ralala, Lucie? Ah, mais c'est trop facile. Interaction, ça fait déjà un objet. Oh! Nice! Qu'est-ce qu'on a? La lampe? Ok, donc c'est la lampe puissante.
Merci Night Show pour le follow. Ralala du désespoir, t'as pas besoin de mettre de capa, je l'avais compris comme ça. Et la spirit, oh, on est bien là, il a fait clignoter ici. Hein. Est-ce qu'il a touché la porte? Ok. On est bien, on est bien. Spirit et c'était quoi celui d'avant? Pas fait gaffe. EMF5. Nice, on est bien là. Spirit et la lampe. Ouh, on va pouvoir upgrade la lampe, ça c'est cool. Allez, on est chaud. On va dire que je me souviens des choses importantes dans les moments difficiles. Voilà. Alors attendez, j'ai vu la lampe clignoter ici. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Oh, la glaciale. Oh non, j'avais pas l'appareil photo en main. C'est Sadako. C'est Sadako. Oh, je suis deg, on aurait pu avoir deux objets en plus là. Fuck. Je vais fermer toutes les portes. Comme ça, je vais voir s'il me l'ouvre. Alors attendez. Ok, ok, ok. Soyons méthodiques. On a ça et la glaciale. On a donc Jean, Ombre ou Oni. Et on a donc affaire à le dot, l'écriture ou les empreintes. Ok, empreintes, ça on peut vérifier facilement. Au niveau des objectifs, attendez, laissez-moi vérifier. Ah, je suis dégoûté d'avoir loupé la photo là. J'ai pas été assez rapide sur les appuis. Photo en sang crucifix, ok. Portée mentale, 80, on est bien. J'ai pris qu'une seule poupée. Ouais, je sais qu'il y en a une deuxième, je sais qu'il y en a une deuxième, mais tu vois, j'essaye de jouer le jeu, tu vois. Donnez-nous un signe. J'essaye de rendre ça un peu plus corsé. Ouais, ça sent un peu l'ombre, hein, on est d'accord. C'est aléatoire ou c'est tout le temps le même spot, les vaudous? Je les prends jamais en photo, moi. Les nounours, ça compte pas, hein, on est d'accord. C'est toujours au même endroit? D'accord, et du coup, elle est où, la deuxième? Elle est derrière le paravent... au rez-de-chaussée. C'est vrai que du coup sur une ferme, en face de l'autre en bas, ouais, c'est ce qui me semblait. Sur une ferme, du coup, ce challenge est beaucoup plus simple. Comme t'as des poupées vaudou, t'as potentiellement 3 photos gratos avec l'os et les deux poupées, quoi. Allez, vas-y, hop, donne-moi un autre objet. Par contre, j'ai plus droit aux interactions maintenant. J'ai plus le droit aux interactions. Bougie. Fuck. Bougie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Est-ce qu'il m'a pas ouvert une porte, là? Nice. Vas-y, qu'est-ce qu'on a? Dis-moi qu'on a des empreintes. Empreinte digitale, c'est un jean. C'est pas une 3 étoiles. C'est pas une 3 étoiles. Là, c'est une troisième... Ah non, c'est une interaction. Interaction, ça compte pas. On en a déjà deux. Interaction, interaction. Fuck. Attendez, il nous faut l'empreinte. Ils nous la font en 3 étoiles, l'empreinte. Bah, elle est de l'autre côté de la porte, je pense. Hein. Empreinte sur le piano, je pense que c'est interaction aussi. Je sais que tu peux avoir l'empreinte sur les claviers de la prison, des ordinateurs. What? Elle est où l'empreinte? What? Attendez, attendez.
Let's go. Deux objets. Mais what? Attendez. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Le thermo, super, il nous sert pas. Et oui, 3 avec l'objectif, ouais. On sait que c'est un djinn, de toute façon. Une bougie. Ok, on en avait déjà une, je crois. Hein. Je crois que ça nous fait 2 bougies, du coup. Allez, donne-moi un bâton d'encens, un crucifix ou un... une lampe UV, s'il te plaît. Thermo. Fuck. Bon, bah écoutez, on va se barrer. Alors attendez, avant qu'on se barre, je veux savoir pourquoi mon empreinte 3 étoiles a pas marché. J'ai pris des deux côtés, à moins d'un mètre cinquante. Non mais regardez, l'empreinte, elle est là. Pourquoi ça a pas marché? What? Alors là, chat, si vous savez pourquoi, dites-le moi, parce que j'en ai absolument aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Pourtant, j'ai bien l'empreinte, elle est là, je suis à un mètre de la photo, et j'ai eu une étoile sur les deux, quoi. Je comprends pas. C'est pas grave, le défi est quand même réussi, il s'agit d'un djinn. Attendez, ce défi va se transformer en mode défi. Combien de games on peut faire avec ce challenge d'affilée? J'ai jamais vu ça, ouais. Si les J, elles spin, elles seraient capables de tomber sur un timer. La première était trop, ouais. Ouais, t'as probablement raison. Ce qui est bien avec ce défi, c'est que ça vous entraîne à prendre des photos, quoi. Ça, c'est cool. On va essayer sur une Ridge View. On n'a pas fait de Ridge View. Ridge View ou Willow, alors. On va essayer, et puis après, on s'arrêtera là, je pense, pour Ridge View, tiens. On va faire les deux. On va faire Ridge View et Willow. Let's go. Ouh! Il est cool, ce challenge, j'aime bien. C'est trop une bonne idée, quoi. Alors, photo. Amusez-vous à le faire, chez vous. Ça, c'est un truc qui est assez facile à faire. Bon, vous avez pas une roue, mais je sais pas, vous faites avec un dé. Je sais pas, un truc. La bougie, tu vas voir, on est tombé sur la bougie à chaque fois, on l'a pas eu. Tu vas voir que là, on va pas tomber sur la bougie. L'événement paranormal repoussé avec le bâton d'encens. Ok. Et c'est à la cave. J'ai vu Sadako, je peux mourir en paix. Des gros bisous, Manostro. Des gros bisous, merci d'être passé. Je vous rappelle que demain, tous ceux qui vont se coucher, demain à partir de 23h, on regarde Ghost Adventure, épisode inédit, saison 22, l'épisode 6. Et il y a aussi un giveaway demain, les amis. Donc soyez là. Giveaway de Neon Abyss, ouvert à tout le monde. À tous ceux qui follow la chaîne depuis plus de 24 heures. Donc faites-vous plaisir. Des bisous. Moins de 10 minutes. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Allez, l'ombre, ça doit être le pire fantôme du coup pour ce challenge. Donnez-nous un signe. Écoutez, on va chercher l'os ou la Ouija en attendant. On n'y voit rien avec cette lampe. Hein. Moi, je crois que celle-là, elle va être galère. On peut pas avoir trop de games comme ça, trop facile d'affiler. C'est pas possible. Il y a un truc qui va se passer. Donnez-nous un signe. Oh. Alors, je suis. À mon avis, ça. Il y a un truc qui vient de tomber là. Qu'est-ce qui vient de tomber? Il y a un truc qui vient de tomber, je voulais prendre la photo pour une interaction. Ici. Est-ce qu'on a l'interaction? Fuck. Dommage. Ok, il est garage. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Non mais tu vois, en même temps, comme ça, on apprend. On apprend au niveau des photos ce qui marche, ce qui marche pas. Ça qui est cool aussi.
Alors attendez, je vais fermer la porte. Parce que s'il nous touche la porte, ça peut nous servir. Alors, au garage, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Je vois pas l'os. Il a coupé le courant. Putain. Il perd pas de temps, lui. Hein. Là. Donnez-nous une température glaciale. Ok. Putain, on a de la chance, toutes les games, on a la glaciale. Ok. Et celui-là, il va être plus... Il a touché la porte? Non. Il va être plus compliqué, celui-là. Ouais, en fait, c'était à mes pieds, je l'avais pas vu. On va laisser ouvert. Il y a peu de chances qu'il aille à la cave quand même. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ce serait bien qu'il se montre ou alors qu'il me fasse bouger un truc devant moi. Donnez-nous un signe. Encore mieux qu'il éteigne la lumière. Où êtes-vous? Mode Est. Ah, pas mal. Modestie. Pas mal du tout. Me pense que cette game sera un démon Yurei. Je sais pas pourquoi. D'accord. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Bon. On va aller checker. Il faut qu'on s'active un peu quand même parce que la santé mentale descend. On va essayer de trouver l'os. La Ouija, pourquoi pas. Putain! Il a ouvert une porte? Il a ouvert une porte. Je dirais dans le couloir. Vite, vite, vite! Attends, attends, je te répète ça après. Non, c'est pas celle-là? Oh putain, c'est pas celle-là, je suis con. C'est celle-là? Non. Ah putain, je suis en train de niquer toutes mes photos. Ça sent le fail. Le challenge Night Show, c'est de... On peut pas débloquer d'objets sans prendre une photo 3 étoiles, en fait. Ah, ça part mal, là. Ça part mal. C'est pas grave, on apprend. On apprend de ses erreurs. Donc, on n'a pas d'empreinte. Ce serait bien qu'on ait une petite Ouija, là, pour se débloquer un petit objet. Ou l'os. J'y crois, chat. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Et il n'y a pas l'os. On va le trouver, cet os. Pas la Ouija. Putain. L'os le plus caché au monde. Dommage. Est-ce qu'il y a des gens qui finissent l'école à 100% et qui speedrun? Mais oui, il y a de tout, following. Il y a de tout, tout, tout. La table de Ouija? Il suffit que tu l'allumes et que tu lui poses une question. Mais il n'y a pas tous les démons qui répondent à la Ouija. Putain. Allez, montre-toi, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Devant la baignoire, l'os. À l'étage. Oui, la cave, t'as raison, oui. J'ai pas checké la Ouija. Là. Non, y a pas de Ouija. Pas de Ouija. D'ailleurs, l'os, il est peut-être là. Hein. On va aller checker à côté de la baignoire. Ça sent le fail, mesdames et messieurs. Va falloir le faire en mode sans preuve. Hein. On a déjà réussi quelques fois. Placard barré dans les... Ah, le placard dans les toilettes du bas. Si, j'ai vérifié.
au pied de la baignoire. Il a encore ouvert une porte. Alors là, là j'ai entendu une porte, j'en suis sûr à 200%. L'os il change de place à chaque fois. Le problème c'est que j'ai. Tu vois, j'ai pas envie. J'ai déjà niqué 4 photos. J'ai envie d'être là quand il ouvre la porte, tu vois. J'ai envie d'être en face de lui. J'ai envie de voir l'action, tu vois. Ah, le piano, le piano. Ça compte comme une interaction, ça? Oui! Interaction, ok. On sait que le piano maintenant ça compte comme une interaction. Let's go! Allez, donne-nous un truc bien, s'il te plaît. Fais pas ta pute. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, chat. Ça aurait pu être pire. Des bisous, Sabinouille. Des gros bisous à toi. Ça aurait pu être pire. Calmez-vous. Est-ce qu'on toujours pas d'événement? L'événement, il nous aide pas. Hein. Putain! On va les prendre pour éviter qu'ils nous attaquent. Des petites pilules. Bon, il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait la porte maintenant. Il faut qu'on ait une empreinte, quelque chose. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Des bisous, Sabine. J'espère que t'as kiffé la session DBD. Moi, j'ai bien kiffé, en tout cas. Attendez. Chut. Donnez-nous un signe. Montre-nous. Où êtes-vous? Y'a rien. Tu vois, quand je suis là, il touche plus rien. Il touche pas de porte, il touche rien. Quand je suis pas là, il touche les portes. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Allumez la lumière. Donnez-nous un signe. Il veut pas, hein? Attendez, on va tenter la technique de je fais rien, je dis rien. On va checker la Ouija de l'autre côté. Ah, on n'a pas la Ouija malheureusement. Et on n'a pas l'os non plus, hein. Enfin, il y a l'os sur toutes les games, mais on l'a pas vu, quoi. Dommage. Donnez-nous un signe. C'est long un peu, hein. Il faudrait qu'il bouge un objet ou quelque chose. On a le droit encore à une photo d'interaction. C'est quelle porte? C'est quelle porte? Non mais attends, c'est quelle porte? Je l'ai pas vu bouger celle-là. Il y en a aucune qui est ouverte. Ouais mais c'est ce que je fais, je les ferme toutes, ouais. Je vais rester ici plutôt. Allez, on y croit, chat. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Montrez-vous. Ah, s'il pouvait se montrer, ce serait parfait. Ben, ouais, c'est le même bruit, hein. Les placards, les portes, c'est le même bruit. Ce serait bizarre qu'il ouvre un placard à l'étage, quand même. Donnez-nous un signe. Attaque. Donnez-nous un signe. Allez, touche une porte. Où êtes-vous? Putain, ils auraient pas pu nous donner une spirit, un EMF, quelque chose? On va regarder dans le camion si on a un EMF. Chat, j'y crois. La patience. La patience. L'analyse. On va y arriver. Ah ouais, ok. Ah, il est... Ouais, c'est... Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, on a un fantôme un peu... Ouais, c'est un revenant timide, hein, j'ai envie de dire. Je suis assez d'accord avec toi, gros. Hein. Ça sent le petit revenant. Ça sent le petit revenant des familles. Donnez-nous un signe. Aucune porte qui a bougé.
Donnez-nous un signe. Petit coup d'eau, ouais. Je crois que je vais avoir besoin d'un petit coup d'eau. Alors, attendez. Laissez-moi répondre à la patronne. C'est juste du vent, ouais. C'est des courants d'air. Allez, fais quelque chose. Et, non, mais chat, c'est ouf, là. Allô? Donnez-nous un signe. Il est où? Fuck! Fantôme! Comment? Non mais attendez, comment j'ai pu avoir le fantôme alors qu'il était derrière moi? What? Je crois que les photos sont un peu buggées, non? Non mais elle va se calmer, elle. Bon, par contre, on a le droit à un objet parce que l'événement paranormal est validé. Ça, c'est cool. Léger bug, hein. Léger bug. Crucifix ! On n'a pas le crucifix, fuck ! On a la photo du fantôme en 2 étoiles. Normalement, la photo, ça doit être une 3 étoiles. Hein. Ah, merde ! Merde! L'os est dans la chambre à gauche en bas. On va aller voir. Comment tu peux en être sûr? Tu l'as vu? Ah putain, je suis deg. C'est pas grave. Eh, on coupera au montage. YouTube, ils verront pas cette game. Ils verront que les 2 games où on a réussi. Il y a un truc qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé. Vas-y, je tente. Vas-y, je tente, j'en ai rien à foutre. Non? Donnez-nous un signe. On va devoir piffer, chat. Hein. Si on a plus de photos, on va devoir piffer. Hein. Rien qu'à bouger. Le problème, c'est que oui, je peux prendre la photo pendant la chasse, mais bon, si je sortais du garage, j'étais mort, tu vois. Ok. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Est-ce qu'il m'a coupé le courant? Il m'a pas coupé le courant, ok. Nice. On va pouvoir faire quelque chose. Hop. Ah, je peux pas ouvrir la porte dans ce sens, dommage. Donnez-nous un signe. Attendez. Il y a quelque chose à faire. Attendez, il y a quelque chose à faire. Ça peut être quoi, les fantômes, déjà? Ça peut être revenant, ombre. Je sais plus ce que c'est. Donnez-nous un signe. C'est un revenant, c'est un revenant.
La revenant, c'est sûr. C'est sûr à 400%. Sûr. Je mets 10 subs en jeu, là. C'est sûr, c'est un revenant. La vitesse. Vous avez vu la vitesse qu'il a pris quand il m'a vu? C'est un revenant. Putain de revenant qui se prend pour des ombres, ça. Ah, c'est les pires, ceux-là. C'est les pires. C'est les pires. 100% revenant. 100%. Et si c'est pas un revenant, je m'en fous, j'ai raison quand même. C'est un bug. On peut dire que c'est un bug. Le jeu est en early access. C'est un revenant. Même pas, j'hésite. C'était sûr. C'était un revenant. Sûr. Wouh! C'était chaud du cul. J'espère que t'as kiffé cette game bien trop longue, YouTube. Que t'as kiffé ce défi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Le chat s'est un peu emmerdé, mais heureusement, il m'a quand même tenu compagnie. Des bisous.